المناسبة هي مناسبة احتفالية بمناسبة ما يسمى الإبيفاني، يعني حفلة ديني وفي نفس الوقت يعني تقليدي في تقاليد أوروبا، تسمى حفلة لا غاليت دي روا، كعكة الملوك، كعكة الملوك. إذن إخواننا وأصدقائنا الفرنسيين مقيمين في مراكش نظموا هذا اللقاء بمقهى السلام، اللي في الحقيقة السي إبراهيم الرميلي كان له سبق في استضافتنا. اللقاء هو يحضر في نفس الوقت لما يسمى الإملاء الكبرى، إملاء تكون باللغة الفرنسية مفتوحة للتلاميذ من المدارس المغربية القطاع العام والقطاع الحر، وفي نفس الوقت المدارس ديال البعثة الفرنسية، وكذلك للبالغين رجالا ونساء. ونحن نأمل في مشاركة ومساهمة قوية. هو السنة المنفرطة كان فيه رقم قياسي ديال المشاركة فيما يخص التلاميذ، تكونوا ذكور وإناث من جميع المستويات، ابتدائي إعدادي وثانوي وحتى الجامعي. هذه السنة نرجو ونتمنى أن تكون مشاركة البالغين يعني الرجال والنساء أكبر وأقوى. التسجيلات غادي تكون في 4 أيام ابتداء من 27 فبراير إلى غاية 14 مارس. التسجيلات كتكون داخل المعهد الفرنسي بمراكش اللي هو مجاور لثانوية فيكتور هوغو. والإملاء تكون المقر ديالها في مدرج كلية العلوم والتقنيات شارع عبد الكريم الخطابي طريق الدار البيضاء. الأمل معقود على أن من تتكون تكافؤ الجهود من مغاربة من أطر من مجتمع مدني هنا في مراكش والأصدقاء ديالنا ديال فرنسيين بمراكش، تتكون في الحقيقة حفل فيه الأخذ والعطاء، فيه البدل، فيه يعني التلاقح، وفيه بالخصوص تربية الناشئة على يعني تملك اللغات، اللغة العربية أصلا واللغات الأخرى بهذه المناسبة هي اللغة الفرنسية. De la galette des rois, c'est une tradition très très ancienne, je vous expliquerai tout à l'heure. À cette occasion, nous avons convié nos amis marocains marakchi de diverses associations qui nous aident pour la grande dictée de Marrakech. Nous les avons invités à partager ce moment de convivialité et d'échange pour partager donc cette galette des rois. Et donc la tradition, comme je vous le disais tout à l'heure, cette tradition vient de la naissance de l'enfant Jésus du 25 décembre. Et le 6 janvier, les rois mages sont venus apporter des présents dans la grotte où est né l'enfant Jésus. Et la galette est née de cette tradition d'apporter des cadeaux à Jésus-Christ, enfant. En début d'année, là, voilà, c'est l'occasion de présenter les vœux. Donc à tous et à toutes, je présente tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2018, qu'elle vous apporte un tas de bonnes choses, surtout la santé, parce qu'avec la santé, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses. Voilà. On pourra peut-être, au cours de cet après-midi, discuter un petit peu
de l'événement qui va s'annoncer bientôt, c'est-à-dire la grande dictée de Marrakech. Et à cette occasion, je fais un petit appel. On aura besoin de beaucoup de forces vives avec les adhérents, mais non seulement, si vous avez des amis qui veulent nous donner un coup de main, et bien écoutez, ils sont les bienvenus, parce qu'on a une tâche très très rude qui nous attend. On espère avoir de 2000 à 2500 participants pour la grande dictée de Marrakech. Événement qui prend beaucoup d'ampleur grâce à tous nos amis médiatiques qui nous donnent un sacré coup de main. À l'Institut français qui nous offre, nous fait profiter de ces locaux, plus un partenariat qui est bien plus important au niveau des cadeaux et tout ça. Et donc, une tâche importante qui nous attend. Voilà, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Merci à Madame la vice-consul d'être présente, de partager avec nous ce moment sympathique. Merci à tout le monde. Et bon appétit. Je confirme donc toute l'amitié que nous avons, tout le partage que nous avons avec nos amis marrakchis, des associations. Je veux dire, tout ça est tellement un bonheur pour le travail, tout le travail qu'on a à accomplir sur cette grande dictée de Marrakech, qui est donc la 16e édition en 2008. Notre espoir, après le grand succès de 2017, notre espoir est d'arriver à quelques 2000, voire plus, participants. Et nous avons un souhait vraiment important, c'est que cette dictée puisse attirer beaucoup plus de personnes adultes, car la catégorie adulte reste encore un petit peu faible. Mais je suis persuadé que le mot et l'information est passée et que nous atteindrons plus de 100 participants en 2018 sur la grande dictée pour les adultes. Voilà, c'est un vrai bonheur, croyez-moi, que de voir ces enfants venir participer à la dictée. Nous avons d'ailleurs fait, SMS Media a fait une interview des enfants à la sortie de la dictée en 2017. Personnellement, j'avais un peu les larmes aux yeux de voir ces enfants avec de la joie, vraiment de la joie, d'avoir participé à la dictée et qui étaient ravis en lançant des phrases. C'était super, la maîtresse nous a bien aidés, alors qu'il n'y a pas de maîtresse, bien sûr, mais il y a des surveillants. Mais voilà, donc c'est le vrai bonheur des enfants que nous avons découvert à la sortie de la dictée. Thank you.